Non, désolé. Merci. Nous commençons officiellement la cérémonie d'hommage à l'artiste et comédienne Mira Yessa. Nous sommes à Kinshasa le 19 juin 1972. La grande famille Koutima est complète. C'est la joie totale. Par une fillette vient de mettre au nom de Mireille Koutima. 51 ans après, nous sommes en Angola, à l'hôpital sanatoire Palanca. La fillette qui était née en 1972, Mireille, devenue plus tard Miraessa, artiste et comédienne célèbre, vient de nous quitter. La famille Koutima en pleurs. Les artistes et comédiens en pleurs. Les fanatiques idem. Quelques semaines passées, le corps est rapatrié à Kinshasa. La famille Koutima, ensemble avec les artistes et comédiens, ont décidé de rendre un hommage digne et mérité à Mireille Koutima Miraessa. Voilà l'objectif de notre présence en ces lieux. Le menu de la cérémonie se présente de la manière suivante. Après cette marche d'honneur, nous allons passer rapidement à la biographie. Après la biographie, nous allons inviter le pasteur pour une exhortation de 5 minutes. Après l'exhortation, nous aurons un moment de témoignage. 3 témoignages ou 2, ça suffit. Après le témoignage, il y aura un mot. Le mot de la famille biologique, ainsi que le mot de la famille artistique, donc les artistes comédiens. Après le mot des artistes comédiens, nous passerons au dépôt de jarre de fleurs.
Après le dépôt des arbres de fleurs, une courte prière et viendra la levée du corps en direction d'une nécropole de l'éternité de Seribamba. C'est là où Ndekonabiso Mirayesa Akufanda Libela na Libela. En ce qui concerne sa biographie, de son vrai nom, Mireille Koutina Mundo Mirayesa. Elle est née à Kinshasa le 19 juin 1972, fille de papa Koutina Tweku Boniface et de maman Alombo Ahama Antoinette qui nous a quittés. Elle a fait ses études à l'Institut Saint-Antoine dans la commune de Bumbu, dans Azali natif. Azali Mwana ya Bumbu. Une femme battante qu'elle était, Mirayesa a fait sa première apparition dans le monde théâtral en 1992. Au fil du temps, cette profession est devenue une obsession laquelle elle ne supportait plus s'en séparer. Formée par l'un des artistes connus, l'inner de Siatoula, à cette époque dans le groupe Suomala. Donc nous profitons pour saluer la présence de tous les artistes de Suomala ainsi que les anciens de Suomala. Arrivant en 2016, elle décida de quitter la RDC pour l'Angola. Voilà, jusqu'au L'inner de Siatoula, à cette époque dans le groupe Suomala. Donc nous profitons pour saluer la présence de tous les artistes de Suomala ainsi que les anciens de Suomala. Arrivant en 2016, elle décide de quitter la RDC pour l'Angola. Voilà, jusqu'au 11 juillet. Je vois avec Bamogondo, musique au milieu là.
Vokisa Mbanda, Ekimelo, honorable, la pièce est donnée à Vokisa Mbanda. Je vois avec Mario Sombo. Là, c'était la filmographie. Et là, Nini Oyongo Bonabiso a sali la mort de l'art. Au toujours, va finir à Yessa, à Fifité. Elle restera éternelle à travers ses œuvres. Yangoyana, nous allons demander aux artistes ici présents de se lever pour rendre hommage à Miraïda. Enfin, mais nous allons dire bravo à l'artiste pour la Moussala qui toque au peu mon aîné à Saleli Mboka, Moussala le Koumou, Moussala à A, dans les domaines qui tirent. S'il vous plaît, les artistes, pardon. L'artiste est Nyon Sé, n'a pas eu d'Azali Koto. Oh, Nyon Sé, l'artiste est Atelema. Disons Nyon Sé, l'artiste est Otelemi. Donc, on peut être à ma boko, ma kasi, pour Nyon. Bravo, l'artiste. Bravo, Miroï. Bravo, Miroïsa. Vous méritez. Vous avez fait la fierté, l'honneur du Congo. Merci. C'est samedi. À présent, nous allons inviter le parterre pour une exhortation.